Le temps est écoulé. Qu'est-ce que vous voulez? Des noms. Des témoins, tout ce qui pourrait impliquer Monarque. Vous voyez ces deux hommes à vos côtés? Eh bien, je vais maintenant me lever et quitter la pièce. Et l'homme à votre droite va vous mettre une balle dans la tête. Allez vous faire foutre. Liam, venez avec moi. Quelqu'un a dû saboter votre travail. On a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce. Comment ça a pu arriver? Peu importe comment c'est arrivé, vous devez le retrouver. Wincott essaie de le localiser. Super. Y a-t-il? Quoi? Vous avez l'air contrarié. L'université, c'est pas nos méthodes. Ça a été bâclé. Vos opérations se sont toujours bien déroulées. Rentrez chez vous, Liam. Attendez notre appel. Votre femme doit être impatiente de vous voir. Communiqué officiel de Monarque. D'utiliser ses forces de sécurité privée. Ok, bon. Les serveurs de la mairie sont sur une plateforme différente du reste de Riverport, car les fournisseurs du gouvernement ont besoin d'un accès bidirectionnel. Ça veut dire qu'il y a des failles. Alors, où? Tout ce qu'on a, hein? Où? Ou quoi? C'est... ces failles dont tu parlais. Ferme-la, Brenner. Bon, tout ce qu'on a à faire, c'est s'identifier comme un client qui dispose déjà d'un accès et se frayer un chemin dans les failles du pare-feu. En espérant que tous ces ports soient bien ouverts, ensuite il suffit d'utiliser les numéros de protocole et remonter jusqu'à la source. Allez. Ah, allez. Et... voilà. Caméra de rue, caméra de bord et ordinateur du QG. Merde, sérieux, je pourrais pirater la fréquence de la police et faire coffrer ta mère. C'est quoi cette merde? Hein, c'est quoi? Du café? Ouais, je vois bien que c'est du café. Qu'est-ce que ça fout sur mon bureau? Et ça, tu sais ce que c'est? Tu sais à quoi ça sert? C'est un dessous de verre. Un dessous de verre, exact. Vous avez pas ça dans l'Idaho? C'est pareil. Certain. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Brenner? Je sais pas. Je sais que tu sais pas et j'ai de la peine pour toi. Maintenant, on rédige un email au maire Rackley dans lequel Monarque propose les services de ses forces de sécurité privée. Ce qu'il va forcément accepter parce que sans qu'il le sache, on lui a déjà attaché les mains dans le dos quand il regardait ailleurs. Et voilà, Brenner, c'est comme ça qu'on fait passer Riverport, sous le contrôle de Monarque. Putain, c'est gênant. Merde. Monsieur Hatch, vous tombez à pic, j'allais... Wincott,
Où on en est avec Joyce? Joyce, ouais, j'ai les caméras, il faut juste que je trouve sa position. Continuez de chercher, et quand vous la retrouvez, contactez Burke directement. Je pense qu'il y a un traître dans nos rangs. Un traître, ça c'est... Allô? Allô, monsieur? Je ne vous retiens pas plus longtemps, monsieur Hatch, merci. C'était Martin Hatch? Vire ta sale gueule de mon bureau. Allez, dégage de là. Qu'est-ce que t'es, putain? T'es où? Allez, montre-toi, Joyce. Émilie ? C'est l'horreur au boulot en ce moment. Je suis désolé. J'ai juste... J'ai rêvé que t'étais un chat. Un chat? Avec des grosses pattes poilues comme un ours. Beaucoup trop grosses pour ton corps. C'était une drôle de bête. Mais je savais que c'était toi. Je dois bientôt retourner au boulot. Aucun responsable des ressources n'a autant travaillé depuis que ce métier existe. Je sais. Chérie, t'es pas rentrée depuis 2 jours. Ah. Ta maman est pas très commode. Alors comme ça, c'est moi, elle pas commode. Elle hein. est vraiment pas commode. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je pense pas que c'est ce bon pour le bébé. Allez. Ah, ok, ça va. Ok, d'accord, t'as gagné. Ferme les yeux maintenant. C'est bon, vas-y. Ouais. Burke, on a du nouveau sur Joyce. Quoi, au juste? J'ai réussi à pister son véhicule jusqu'à un entrepôt sur Burgundy et Wilkins. Il est dans le périmètre de la zone 0. Je vous envoie les coordonnées. Je dois y aller. Avec l'intervention de la police ou des forces de sécurité privées de Monarch. Le calme semble être revenu au moins momentanément, mais d'après les informations dont je dispose, la situation reste encore très instable. Cela pourrait dégénérer d'un instant à l'autre. La police de Riverport demande aux citoyens de ne pas s'approcher de la zone et de bien vouloir rester chez eux. Thank you.
Nous avons tenté de joindre personnellement le PDG de Monarch, Martin Hatch, pour obtenir une déclaration, mais l'entreprise refuse de se prononcer. La cause de la destruction prématurée de la bibliothèque n'est pas encore connue, mais la piste criminelle n'est pas écartée. Des dizaines de personnes se sont déjà rassemblées devant le siège de Monarch pour exiger des réponses. Nos pensées vont à la famille de Amy Ferrero et de tous ceux qui sont pour l'heure toujours portés disparus. Nous vous tiendrons informés des prochains développements. Paul, il y a du nouveau. Jack. Vous êtes déjà au courant? Ce soir sur l'île. Il sera là. Et il voudra se venger. Il faut l'arrêter maintenant. Je ne suis pas sûr que ce soit notre priorité absolue. Vous voulez parler de votre traître? Vous ne devriez pas le prendre à la légère. Joyce a eu de la chance. Il s'est échappé. Il est loin. Il ne serait pas assez stupide pour revenir. Le danger vient de l'intérieur, Paul. Ouvrez les yeux. Tout ce que vous me dites, je l'ai déjà vu. Votre jugement est altéré. Vous avez besoin de votre traitement. Vous représentez Monarch depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Et je n'ai aucune envie de vous voir couler avec lui. Alors trouvez-le. Donnée par M. Rackley, le maire de Riverport, à propos des événements qui ont eu lieu la nuit dernière à l'université de Riverport. Les services de police de Riverport enquêtent actuellement sur la démolition prématurée de la bibliothèque de l'université. Monarch Solutions leur apporte son aide dans cette enquête. J'encourage donc vivement tous les habitants de Riverport à les aider autant que possible à retrouver les coupables. La police ne souhaite divulguer aucune information avant la fin de l'enquête. Merci. Un projet de loi visant à interdire les expériences sur les animaux doit être voté aujourd'hui. En effet, les défenseurs des droits des animaux ont réussi... Je suis passé au labo de l'université ce matin. Quelqu'un a résolu l'équation. Quoi ? On m'apprend à l'instant que les services de sécurité de Monarch se sont joints à la police locale afin de protéger les habitants de Riverport, alors que cette terrible affaire n'a pas encore connu de dénouement. Salut l'informaticien. Informaticien dans tes rêves. T'es pas autorisé à rentrer ici. Demande d'autorisation. Autorisation accordée. Je me suis dit que t'avais dû bosser toute la nuit, alors... Tu les as pas pris baveux, j'espère. Non, ça devrait être bon. T'inquiète, elles sont neuves. Oh. Fiona Miller. Bon vent. T'es viré. Bon, alors c'est quoi les ragots? Qu'est-ce qui se passe au juste? Les ragots? Oui, les ragots. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il y a eu une fusillade à l'université hier soir. T'inquiète, j'ai géré. Ok. Tu penses qu'ils vont annuler la fête ce soir? Tu veux rire? Jamais. Hatch sait ce qu'il fait. Tu vas y aller? À la fête. Moi, aller à une fête? Ouais, je sais pas. On peut y aller ensemble. Ça marche? Ouais, d'accord, je vais venir. Super, mec. Tu mets quoi? Ça, j'en sais rien. Aucune idée, peut-être... Peut-être que j'irai tout nu. Cool, ça me plaît. Bon, je retourne bosser. Alors, bon, à ce soir. Ouais. À ce soir. Ouais. Mec. Mec. Liam, ce n'est pas ce que tu penses. Merde, Bess.
J'aurais vraiment préféré que ce soit pas toi. Tu dois m'écouter. Écarte-toi du van. Recule! Dépêche-toi! Lâche ton arme! Je ne peux pas faire ça. Je te laisse 3 secondes avant de tirer. Je suis plus rapide que toi. Mais tu vises comme un pied. Non! Non! Oh merde! Il est parti! Tu vois ce qui se passe? Les interruptions. Il y en a de plus en plus. Hé, hey, Bess, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le temps est en train de s'effondrer. La fin est proche, et Joyce pourrait être la clé. Attends, attends, la fin de quoi? La fin de du quoi? Temps, de quoi tu parles? Temps, la fin du temps. De la vie telle qu'on la connaît, de l'univers tout entier. Et j'ignore comment, mais Monarch s'y est déjà préparé. Il savait que ça arriverait. Il y a ce truc. Ça s'appelle le plan capsule temporelle. Et ça peut nous sauver, du moins certains d'entre nous. Les mains sur la tête! Mettez-vous à genoux! Brown! Wilder, ne m'oblige pas à répéter. Oh, Joyce vient d'abattre la moitié de mes hommes. Il a peut-être reçu un coup de main, non? On n'est pas armés, je répondais. J'en ai rien à foutre! Hé, hey, je travaille pour Monarch! À genoux! Liam, s'il m'emmène, c'est la fin pour moi. Et pour toi. Allez! Fais ce qu'il te dit. Ne les laisse pas nous emmener. Tu ne trouveras jamais la capsule temporelle. Pense à Emily. Calme-toi. Liam. À faire ! Cette capsule temporelle, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais c'est ce que recherchait le Dr. Kim. Le Dr. Kim? Tu dois accéder à son labo. Impossible. Il est condamné depuis sa disparition. Y a pas quelqu'un qui pourrait te faire rentrer. Oh, allez, les gars. 39 de moins. Encore 40. Encore une. Hop. Oh. Merci Fiona, c'est dégoûtant. Oh. La vache, Liam Burke. Tiens, mon vieux. Ah, tu vas être ravi. Merde. Le petit protégé. Le rapport rose que j'avais sur mon bureau, c'est parce qu'il est tout. Je dois le prendre tout à l'heure. Ok, voilà, là, juste là. Et merde. Je te tiens. Charlie, j'ai besoin d'un service. Ouais. Ouais. On peut parler en privé? Je préférerais pas, non. Dans ton bureau, c'est parfait. Ça sera pas long. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joyce? Oh, ça n'a rien donné. Ah, ça n'a rien donné? Ouais. Genre, il était pas là, hein, c'est ça? Non, c'est Hatch, il m'a réassigné, il veut que je... surveille le labo du périmètre, sur l'île. Il pense que Joyce pourrait s'y rendre. Il m'a envoyé ici pour que j'y accède. Tu peux m'aider? Bien sûr, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Vous savez, c'est marrant que vous disiez que la piste sur Joyce n'a rien donné, parce que... je sais pas... on dirait vraiment qu'il était là. Et puis le type vous ressemble vachement. C'est bizarre parce que vous bossez pour Monarch alors que ce type-là, ça m'étonnerait franchement qu'il bosse pour Monarch. Je pourrais zoomer, vous savez. Hey, vous voulez perdre votre temps à me tuer? Parce que je viens de vous coller la sécurité au cul. Vous avez 20 secondes. Tu bluffes. Restez pour voir, vous gênez pas? Tu sais ce que je vais te faire. Je sais surtout ce que Monarch va vous faire à vous. Dans 15, 14, 13, 12, 11,
10. Bonne chance, mon vieux. 9. 8. Que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke. Il est armé et dangereux. Écoutez bien, il est au niveau B, près de la passerelle principale. Je répète, dans le parking sud, 4e niveau. Attention, on est armé. Tu bouges pas. Mets tes mains sur le volant. Tu bouges pas. Fais voir tes mains.